Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant l'unboxing de toute la partie nucléaire de cette chaîne. On l'a pas encore vu, j'espère que ça vous plaira. Donc je vais commencer par vous montrer la principale tenue. Donc on est sur un masque facial déjà, donc voilà, masque facial comme vous voyez. Et avec toute une partie combinaison intégrale jaune. On a, normalement c'est anti-buée, donc vu que je le porte depuis un petit moment, la buée commence à s'accumuler. En gros, vous avez deux sorties simples pour des chiffres et un autre principal pour tout ce qui est captation NRBC. Donc ça fonctionne très bien. Mais on va enlever ça, ce sera beaucoup mieux pour parler. Et du coup, cette vidéo fait écho au livre La pierre jaune que j'ai pu voir. Voir et lire, excusez-moi, il fait quand même chaud, restons simples. Donc j'ai pu voir et lire et en parler sur ma chaîne. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo concernant la description du livre, bah, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne, c'est vraiment très cool. Donc c'est une vidéo en lien avec, voilà, si jamais on a un problème nucléaire en France et qu'il y a des retombées radioactives sur l'échelle du territoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, avoir un minimum de combinaisons, un minimum de protection personnelle pour justement être capable de, si jamais on a des retombées radioactives, de pouvoir se protéger au moins au début. C'est pas dans le cadre de tout un travail ou vraiment sur de la décontamination ou autre, c'est vraiment un ensemble de protections uniquement pour voilà, de la protection individuelle, personnelle pour une personne. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve là dans la cave comme si on avait vraiment eu un problème nucléaire de point de vue radioactif à l'extérieur, et que du coup on ait besoin, voilà, d'être dans une zone protégée, au moins un confinement par rapport à l'extérieur, et avec, voilà, justement le fait de d'avoir toute une tenue et autres pour cet équipement là. Donc là on a une tenue de protection principalement produits chimiques, il y en a une autre à l'intérieur, et également paire de bottes pour avoir une protection intégrale, donc la partie de la tenue qui recouvre la botte, ok. Donc en gros voilà pour le début de ça. Du coup on va commencer avec des colis, donc du coup on va attaquer avec le premier colis. Donc la plupart des colis sont des colis, des objets, des choses qui ont été achetés sur Amazon. Vous pouvez évidemment les trouver sur d'autres sites, hein. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est juste que j'ai essayé de regrouper au maximum et que voilà, c'est histoire de faire simple. Donc, premier colis. Donc là, on a toute la partie tenue, ok. Donc en gros, deux tenues unitaires. Donc vous aurez évidemment en description tous les liens qu'il faut. Donc le lien de la tenue jaune là, et là on est sur des tenues blanches plus personnelles qui ont justement une certification par rapport au risque nucléaire. J'espère que ça verra bien avec l'éclairage. Donc voilà, une tenue intégrale de la marque Tivec, 500 XPR, hein, donc voilà tous les liens en description, donc sur ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai pris deux tenues dans le cadre où si justement on a besoin de sortir, ce sera pas forcément des choses réutilisables, hein. On est vraiment dans le cadre d'une évacuation où voilà, on a besoin de mettre ce genre de tenue pour vraiment se protéger rapidement par rapport à un moment donné. Donc voilà, deux tenues. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai également le check, le total des prix de tout ce que ça a coûté de chaque chose unitaire. Ok ? À la suite de ça, alors là, petite précisation, parce que quand on parle de nucléaire, de problème nucléaire, on a évidemment toute la partie des radiations qui entre en œuvre. Et donc, des compteurs GGR. Donc, ça. Et donc, voilà, vous avez ici un petit compteur GGR unitaire, bien sympatoche, de la marque ZGKPDQ. Je perds le nom. Donc, voilà. C'est tout. Donc si j'arrive à vous le sortir, voilà. Donc normalement, donc différentes courbes avec, voilà, justement, pile et tout le matériel. Donc justement, dans le kit par rapport au danger nucléaire et autres, quand on fait un kit de protection, même pour ce qui concerne les réserves de bouffe et autres, on se met au courant du matériel qu'on a, ce qu'on a besoin. Donc là, par exemple, ici,
on a un logement pour 3 piles. Donc évidemment, dans mon kit antinucléaire, je vais rajouter un pack de 4 piles. Comme ça, j'aurai toujours 3 piles de quoi faire fonctionner mon matériel. Donc sur ça, voilà, il faut juste un minimum de logique et d'efficacité sur ça pour être sûr de pas louper les choses. Donc, pour l'instant, on est sur deux choses là. On a également, alors ça, je ne voulais pas montrer parce que ça fait quand même partie du kit, mais le masque facial intégral. Donc, toujours sur Amazon, même si ça vient de Chine, évidemment, hein, y a des choses comme ça. Vous savez, évidemment, c'est des choses qui sont achetées sur Amazon, mais que Amazon achète en Chine du point de vue d'AliExpress. C'est rapatrié, et voilà. Donc, masque facial, 4 branches pour la croche, moyen de serrage. Avec, vous avez également des petits des ajouts comme ça. Hop là. Pour la filtration d'air, vous en avez deux par masque. Donc voilà, masque ensemble très sympa. Donc ces parties de respiration se fixent à l'avant là. Et sinon, sur l'avant, vous pouvez donc dévisser ça. Et ici, vous pouvez mettre à l'avant toute la quelque chose que vous avez peut-être vu, mais pour tout ce qui concerne les filtres NBC. Donc là, c'est vraiment anti-radiation, donc au cas où, contre le nucléaire, excusez-moi, et d'autres produits chimiques et autres. Donc voilà, c'est vraiment pour de la filtration d'air. Vous pouvez avoir 3 choses en même temps, s'il vous plaît. Donc voilà, à ce niveau-là, plutôt cool, efficace, masque très agréable. Vous avez toute la partie en plastique sur les bords qui épouse les formes du visage. Parce que, donc si jamais vous tombez sur ma chaîne par hasard, que vous avez vu la miniature, et que vous vous demandez pourquoi est-ce que je me fais un kit comme ça nucléaire, c'est simplement dans le cadre de prévoyance par rapport à catastrophe d'une guerre. Je sais qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais si jamais ça arrive, j'ai mon matériel. C'est comme la crise biologique par rapport au Covid-19. Si des gens avaient fait des vidéos pour justement des unboxings antibactériologiques ou antivirales avec des masques chirurgicaux et FFP2, du gel hydroalcoolique et voilà, gants de protection et autres, bah la vidéo aurait peut-être pas forcément été accueillie de la même manière, alors que maintenant, et il y a surtout un an en arrière, quand le Covid-19 a commencé 2019-2020, bah voilà, la vidéo aurait eu beaucoup plus d'écho. Donc on est toujours sur Amazon. Donc là, je vous ai montré donc toute la partie protection extérieure principale. Donc combinaison, masque. Ce à quoi on peut rajouter d'autres choses, parce qu'évidemment, on a les bottes également. Hein. Donc les bottes, je ne les ai pas achetées sur Amazon, je les ai achetées à Jardiland. Donc je vous conseille de faire également pareil, c'est plus simple. Donc là, c'est de la marque Black Fox, donc Made in France. Donc vraiment très bien les bottes. Ici, on a des gants jetables. Alors, pourquoi acheter des gants jetables, vous me direz? Eh bien, en fait, c'est hyper simple parce que c'est vraiment dans le cadre de, imagine, t'es en extérieur, t'as ta combinaison et tu rentres chez toi pour, justement, t'es des retombées et tout. Tu vas donc avoir ces sous-gants et des sur-gants par-dessus. Parce qu'en fait, quand tu vas enlever ta première paire de gants extérieurs qui est vraiment en contact extérieur, qu'on va voir juste après, qui est juste ici, et bien en fait, il y en a un moment où tu auras une main de, où tu auras le gant en moins et où tu auras la peau entre guillemets. Et du coup, tu seras obligé d'utiliser ta peau pour ta main pour enlever le deuxième gant. Et du coup, là, l'avantage de ça, c'est que tu auras une paire de sous-gants en dessous, donc tu auras deux paires de gants l'une sur l'autre. Et quand tu vas enlever par exemple la grosse paire à l'extérieur, et bien quand tu vas enlever la deuxième paire de l'autre main, ça va être utilisé avec les gants jetables. Ce qui ferait qu'au final, tu n'auras plus qu'à enlever et tu auras moins de contamination. Parce que tu auras une couche de plus de protection par rapport au plastique. Voilà, c'est juste sur l'étanchéité, sur tout ça. Donc on est sur une taille 8-9 plus large dans ce sens-là. Donc très plutôt top à ce niveau-là. Ok. On continue donc avec la petite pochette. La partie tac, donc voilà, là c'est vraiment les gants de protection. Donc ça peut ressembler un petit peu aux gants de cuisine, vous voyez, pour laver le pour laver. Mais on a également une spécificité, disons, anti-nucléaire. Donc contre la partie nucléaire, donc c'est juste ici,
Ok. Et donc, c'est en ISO 374-5. Donc, voilà, vraiment en lien avec le nucléaire. Donc, de la marque AlphaTech. Donc, c'est les gants 87-190. Bon, super référence. Mais voilà, donc deux paires. Deux paires, parce que si jamais, en tant que, voilà, sur une combinaison individuelle, imaginons que j'en déchire une paire. Ça peut de chance arriver, mais imaginons que ça arrive. T'es baisé, t'as plus que tes paires, tes gants jetables, bon, t'es un peu niqué. Si t'as une autre paire en rab, bah tant mieux. Et si jamais t'es en famille ou en couple et l'autre personne n'est pas forcément intéressée par tout ce milieu-là de nucléarité, de problèmes dangereux, eh bien, ça fera deux paires, donc deux tenues. Donc voilà, c'est soit deux tenues, soit une tenue et avec un change pour une personne. Donc voilà, sur ça, c'est un petit peu à vous de voir sur vraiment la prévoyance que vous ayez par rapport à tout ça, de fait de soit acheter tout en un exemplaire et si jamais ça pète, bah t'es baisé, soit tu prends deux exemplaires, dans le pire des cas, enfin dans le meilleur des cas, ça ne te servira pas. Dans le pire des cas, bah, si jamais il y a un problème, eh ben, au moins tu as soit une tenue pour toi et un change, ou deux tenues, et tu sauves également une personne de ta famille, un proche, n'importe. Voilà, c'est toujours pratique. Et dans l'éventualité où il n'y ait jamais de problème nucléaire, eh bien, ça te fait toujours une tenue protection pour, je ne sais pas moi, du bricolage ou voilà, ce genre de choses. Imaginons. Donc là, on a le gros colis. Donc celui-là, c'est vraiment le même que le masque facial. Il est simplement emballé. Ok. Vous avez le masque facial dans une pochette. Enfin, pas dans une pochette noire, ok, un petit sachet noir plutôt, et les deux broches, les deux kits comme ça pour la filtration d'air. Donc voilà, c'est tout en un, carton bien sympa. Sur ça, il n'y a pas de souci, vous allez juste avoir ça. Donc voilà, au cas où, pareil, acheté sur Amazon, mais qui vient de Chine, hein. Donc qui vient de, c'est impossible à dire, c'est super, mais ça vient de Chine également. Voilà, c'est fabriqué au plus gros. Et on va terminer avec l'un des plus petits colis. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est également utile parce que si jamais vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter tout ce que j'ai présenté jusqu'avant, ça, ce sera toujours quelque chose qui pourra être utile, ok? Donc, ça vient de la marque Illico Pharma. J'en ai parlé sur ma chaîne. Illico Pharma, c'est simplement une pharmacie qui se situe du côté de Lyon et une pharmacie en ligne où tu peux acheter des médicaments en ligne. Ok, donc sur ça, normal. Encore que, pas toutes les fois. L'avantage de cette pharmacie, c'est qu'on peut y acheter des iodures de potassium. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo donc, qui concerne qu'est-ce que c'est l'iodure de potassium, à quoi ça sert. Et une autre vidéo pour vous expliquer où en acheter, de quelle manière. Ça a servi à beaucoup de personnes sur cette chaîne, des personnes qui sont passées sur ma chaîne. Donc si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille fortement d'avoir ça. Et donc, moi, j'ai pris d'autres médicaments, en plus, du strepsil et d'autres. Et donc, voilà, c'est hyper bien emballé. Excusez-moi, tac. Ok, le strepsil, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. L'iodure de potassium, excusez-moi, dans le bon sens, ce sera mieux. Ok. Moi, dans mon cas là, hop là, mauvais sens, excusez-moi. L'iodure de potassium. Donc, c'est l'iodure de potassium, c'est un élément qui vous permet de saturer votre thyroïde au niveau de la gorge en iode non radioactif, parce que quand il y a des retombées radioactives, eh bien, c'est une des manières dont le corps a trouvé pour, entre guillemets, stocker. La partie radiation, donc ça se loge dans la thyroïde également, surtout, à différents niveaux. Et du coup, l'iodure du potassium, c'est fait pour, vous en prenez un cachet, ça dure 24 heures pour une personne, un adulte, et ça vous permet de saturer votre thyroïde en iode non radioactif, donc pour éviter d'avoir des problèmes, voilà, la radiation jusqu'à présent, c'est pas, ça fait pas que du bien. Et justement, donc voilà, il y a 10 comprimés, donc une boîte permet à une personne de se protéger de saturer sa thyroïde avec de l'iodure non radioactif pendant 10 jours. Okay. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs boîtes, hein. On n'est pas des trous du cul non plus. Donc, j'en ai pris 4 boîtes. Voilà, hein, tout simple.
4 boîtes parce que si jamais il y a un problème, bah, il y a peu de chances que ça se règle en deux jours. Hein. Bon, voilà. Hein, vous avez différents exemples en tête, hein, j'imagine, concernant le nucléaire et tous les problèmes qu'il y a eu attenant de ça. Excusez-moi. Et c'est surtout que par rapport à tout ça, eh bien, ça vous permet d'être protégé vous personnellement. Et également, comme on a pu le voir avec le Covid-19, il y avait des pénuries de masques. On ne va pas se mentir que l'État gardait ses stocks pour les médecins, ce qui est complètement compréhensible, hein, vu le bordel que c'était au tout début. Mais il n'y avait pas les stocks escomptés et qu'il aurait dû y avoir. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Tout ça pour dire que si jamais il y avait un problème donc, à La Hague, dans le cadre du livre de la Pierre Jaune, donc à l'usine nucléaire de La Hague, hein, si jamais vous ne voyez pas ce que je veux dire, regardez ma vidéo concernant le livre de la Pierre Jaune, hein, vous les aurez sur le côté là, et sur la chaîne au cas où. Et du coup, s'il y a un problème donc, aussi bien à cette usine-là que à d'autres usines en France ou en Europe, on ne sait jamais, eh bien, il est fort à parier qu'il y ait des pénuries de médicaments et d'iodure de potassium dans ce cas-là. Donc, on est toujours dans la prévoyance d'acheter en amont pour éviter de se faire carotter en aval. Ok. Donc, d'acheter ça, donc l'iodure de potassium pour vous situer. Donc, 10 comprimés, j'ai la liste là, ça coûte 6 euros. Ouais, c'est ça. L'iodure de potassium, donc 6 euros. Donc, 6 x 4, 24, moi ça me coûtait 24 balles l'ensemble. Je compte pas la livraison dans l'ensemble, je vais vous parler. Des prix, voilà, achetés en ligne. Donc, sur ça, on est sur un pack à 6 euros. Ok. Concernant le compteur Gégère, donc, qui est juste ici. Ok, compteur Gégère. Donc, normalement, celui-là, il est vraiment top parce que vous avez des courbes, il y a différentes langues également. Donc, il y a moyen d'avoir quelque chose de bien sympathique. Au cas où, j'en ferai une vidéo descriptive sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire si jamais vous voulez voir cette vidéo-là en particulier ou même d'autres vidéos sur la chaîne, ok. Donc, compteur GGR sur Amazon, 55 euros, ok. Vu le packaging en boule plastique dégueulasse, ça vient de Chine, hein. Il n'y a pas de problème sur ça, on va pas se mentir. Donc voilà, ok. Donc, dosimètre compteur GGR, 55 balles, ok. Ça, c'est simplement pour, si jamais, imaginons qu'il y a une contamination, mais l'État vous dit non, vous n'êtes pas concerné. Si jamais vous voulez en avoir le cœur net ou être sûr que, suivant les endroits où vous baladez, il n'y ait pas de problème de radiation. Donc, on reviendra à ça sur les quantités de radiation naturelle qu'il y a en temps normal et en cas de au-dessus, hein, en cas nucléaire. Donc, on fera des tests et tout ça. N'hésitez, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur tout ça. Donc, le compteur GGR. Cette combinaison-là, jaune intégrale, 22 euros. Hein, c'est ça que vous avez vu sur la miniature. Donc, 22 euros unitaire. OK. Le masque facial. Hein, le masque facial qui est juste ici. On a... Donc, il est à 37 euros. Il est à 37 euros parce que... Donc, vous avez une petite pochette pour l'emballer. Et vous avez également ça qui vous permet d'avoir une filtration d'air. Donc, plutôt... pour des vapeurs organiques, hein, pour ce qui est noté. Donc voilà, au cas où, c'est surtout si vous faites du bricolage, ça peut servir déjà, en plus dans ce cadre-là. Hein, comme on a dit par rapport au sac d'évacuation, toujours avoir du matériel qu'ils utilisent dans deux cas de figure. Okay. Donc, le masque, on est sur du, je vous disais quoi déjà, 37 euros. Ok, 37 euros. Les surgants. Donc, okay, donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous avez les surgants à l'extérieur et les sous-gants dessous. Voilà. Ok. Donc, la boîte de 100 gants en nitrite jetable. Donc, 21 euros. Concernant les gants en latex caoutchouc naturel avec la protection ISO anti-radiation, enfin, anti-nucléaire plutôt. Anti-retombée nucléaire, excusez-moi, on est à 7 euros par gant. Voilà, ça va, hein. 7 euros par gant. Et on a également un ISO concernant les produits chimiques, donc ISO 374-1 type C. Donc vous avez les deux l'un sur l'autre, enfin l'un à côté de l'autre. J'espère que vous verrez bien. Voilà, tac. Ok. Et... pour finir, les vêtements de protection intégrale, donc avec
les ISO, donc on a un ISO, donc radiation, on a un peu de produits chimiques, on a du T5, du T6, donc je pense que c'est par rapport aux acides et aux projections, comme vous le voyez là. Et ça, on est sur vêtements de protection à 14€ à l'unité. Ce qui nous fait un total unitaire, alors ça dépend, hein. Ça dépend parce que suivant si vous avez plusieurs voitures de potassium, plusieurs tenues de protection, voilà, le prix peut plus ou moins varier. Mais en gros, 55 plus 14 plus 7 plus 21 plus 24 plus 37 plus 24, on a un total à 182€. Donc, une tenue plus une paire de surgants plus un compteur Geiger plus un pack d'iodure de potassium plus les packs de gants jetables plus la paire de bottes et le dosimètre. Je crois que j'ai rien loupé. Ah oui, et évidemment le masque. Ok, tac, le tout pour 182€. Donc voilà, on est sur une protection individuelle. Je compte pas la livraison de tout ça parce que ça arrive en plusieurs colis évidemment. Mais voilà, 180€ environ pour le total. C'est clair que si vous enlevez le dosimètre, vous êtes à 130. Et puis voilà quoi. 130 sans le dosimètre pour une personne, protection individuelle. On parle d'une protection individuelle comme ça. Donc dans le livre de la pierre jaune, hein, on va faire un petit résumé rapidos, mais en gros, il y a des avions qui se crashent sur l'usine de la Hague. Ça fait un nuage de fumée radioactif. Ça retombe sur les gens, et quand ça tombe sur les gens, c'est pluie acide, radiation, saturation de l'iodure, enfin de la thyroïde et compagnie. Ça fait des problèmes physiques évidemment, et c'est un peu le bordel pour sortir. Par contre, ce que je veux revenir sur ça, je ne dénigre absolument pas l'énergie nucléaire et tout ce qui en va, tout ce qui est en lien avec ça dans la vidéo, hein. Je ne fais pas du tout ça, c'est simplement un kit personnel de protection que je conseille. Vous pouvez évidemment rajouter à tout ça des couvertures d'urgence ou également, je ne sais plus où je l'ai foutu, je ne sais plus, il est là-bas, je pense, je sais pas. Couverture de survie, donc il y a 2-3€ en général, et également au cas où du matériel médical de base, pour si jamais il y en a certains qui n'avaient pas ce genre de protection et qui ont eu des brûlures hautes pour permettre d'apporter les premiers secours. Non, je croyais que c'était là, excusez-moi. Donc voilà, un kit à 130-180€, ça dépend suivant les personnes. Donc voilà, je vous conseille surtout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis le temps, hein, évidemment, le temps de tout récupérer des quatre côtés. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, un gros like, même si on pouvait avoir, je sais pas, 10, 50, 100 likes sur cette vidéo-là, ce serait vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça monte petit à petit, mais franchement, appuyez sur le bouton, au pire, vous enlevez les notifications. Moi, je veux juste des abonnés en vrai. Ça fera toujours plus de visibilité et permettre à plus de personnes d'avoir une vision sur tout ça, parce que c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Il y a vraiment des choses également sur les conserves qui peuvent être très intéressantes à parler sur la chaîne, aussi bien d'un point de vue de prepper, de survivaliste, que de personnes juste prévoyantes comme moi. Je ne me dis pas survivaliste, mais simplement prévoyant. Donc voilà, j'espère vraiment beaucoup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, ça fait plaisir. Et bien sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et sur ce, à une prochaine, c'était Ether Prévoyant, over. Donc voilà tout le monde, donc pour terminer la vidéo donc sur la partie unboxing, j'ai tout recalé dans un gros carton. Donc on a la paire de bottes, le compteur Geiger, les deux paires de gants, plus les deux protections individuelles, les sous-gants, les iodures de potassium, ce à quoi, évidemment, on rajoute des packs de piles, donc des piles à 4, enfin des AA, vous savez, les plus standards, là, comme ça. J'en mets deux packs parce que déjà, si jamais il y en a un qui, au bout de quelques mois ou années, est un peu usé ou autre, bah, ça fonctionnera peut-être pas forcément direct. Et dans le cadre où, justement, on a des problèmes de radiation, eh bien, les déplacements seraient complètement bloqués. Du coup, la logique voudrait qu'on est toujours dans la prévoyance. Du coup, on garde un rechange, entre guillemets, de piles, un jeu de change de piles, ce qui nous permet d'avoir une autonomie plus longue
et également d'être au cas où, voilà, de te préparer ou alors de pouvoir être utilisé sur d'autres appareils ou de l'électroménager, n'importe. Ce à quoi, donc, et puis là c'est le masque facial hein, que je vous ai montré. Ce à quoi je rajoute, juste pour le fun au cas où, entre guillemets, une autre tenue, donc la tenue AlphaTech, la jaune que vous avez vue. Et une autre, un autre masque facial, tu vois. Voilà, comme ça en vrai, on a deux tenues complètes avec masques faciaux, tenues, et au cas où il y en a entre guillemets une troisième où il y a juste la tenue, et bah, c'est tout en fait. La tenue, c'est tout.